24 secondes à jouer. Le chrono continue à rouler. Non, ça y est, c'est arrêté. 20 secondes. 3 secondes de volée aux Françaises. Radulovic, c'est ce que dit l'entraîneur français. Farkas. Évidemment, les Hongroises ne se pressent pas pour jouer. Voilà, le chrono n'est pas arrêté. Ça fait deux fois que le chrono n'est pas arrêté. Voilà pourquoi Olivier Krumholz n'est pas très content. Il reste 13 secondes. Il dit qu'il y a eu un décalage dans le temps de 3 secondes, c'est ce qu'il montre la main à la table. Il réclame ces petites secondes précieuses qu'il manque à l'équipe de France. Au tableau, vous le voyez, 13 secondes à jouer. Il en demande 3 de plus. Ce qu'il faudrait, c'est que Farkas tire tout de suite. Un bel arrêt de Valérie et Nicolas et une contre-attaque. Elle ne le fera pas évidemment, hein. Elle connaît trop le métier, Farkas. La balle est récupérée par Myriam Konfanty. C'est incroyable, il reste 10 secondes. Oh non, pas ce moment-là. Leïla Lejeune la récupère, Véronique, elle va y aller toute seule, Véronique. Oh, l'agression sur Véronique, 2 minutes, pénalty. Et voilà comment il va y avoir une prolongation, mesdames, messieurs. Quelle agression stupide, méchante, mais bon, c'était pour le titre de champion du monde. Gurbic peut maintenant aller rouge pour Gurbic. Elle ne jouera pas les prolongations, c'est mérité. Regardez comment c'est méchant, comment c'est dangereux. Il y aura jet de 7 mètres, et il ne reste plus de temps. C'est-à-dire que, mesdames, messieurs, il va y avoir un jet de 7 mètres. Si la Française, qui va le tenter, le réussit, il va y avoir des prolongations. Si la Française le rate, les Hongroises sont championnes du monde. C'est simple, le handball, à comprendre. Leïla Lejeune, si vous pensez à un jet de 7 mètres plus lourd de conséquences, vous me faites signe. Leïla Lejeune, face à Pallinger. Et elle le réussit, prolongation. Personne au monde ne peut le faire. Monsieur Philippe Bana, expliquez-nous comment elles l'ont fait. Elles l'ont fait tout simplement une fois de plus avec la même foi, avec le même cœur, avec la même rage, avec les mêmes arguments tactiques au niveau défensif, avec la même idée qu'il fallait repousser cette attaque. Elles ont neutralisé dans un premier temps Bojana Radulovic. Elles sont ensuite allées chercher, cueillir les Hongroises très très haut pour refaire le même coup que de la finale de 99, aller en prolongation alors que tout était perdu. Et il y a une chose qui nous fait chaud au cœur, c'est que toute l'équipe entorse là, il y a peut-être entorse pour... Non, parce qu'elle se relève, mais elle s'est quand même tordue la cheville. Koulchard. Elle se concentre dans sa cage, Valérie. Valérie Nicolas. Elle sait que si celui-là sort... Radulovic. Allez. Le sort du match est vraiment entre ses mains là. Si elle réussit son jet franc, son jet de 7 mètres, tout est possible. Mais que voulez-vous faire contre Valérie Nicolas? Mesdames, messieurs, restez calme, c'est pas la peine de vous exciter. Valérie Nicolas, que vous avez vu là, c'est la meilleure joueuse de ce championnat du monde. Vous comprenez pourquoi? Le plus important, Philippe, ce ne sont pas les 25 arrêts, c'est celui qui donne le titre de championne du monde. Oui, elle avait cédé aux feintes tout à l'heure au début. Un tir, leur première feinte, et cette fois-ci c'est parti sur la deuxième, une main et un pied. Myriam Konfanty, Myriam Konfanty, il faut faire quelque chose. Elle est incroyable, plus 3 pour l'équipe de France, 32-29. Et bien moi je vous le dis maintenant, normalement elles ont gagné, et comme elles sont françaises, elles ont gagné. Elles ont enfin ce titre, elles pleurent sur le terrain, Valérie Nicolas, elles pleurent sur le terrain, Véronique Péqueux. Ah ben il n'y en a pas une qui rit, hein. Elles sont toutes en train de pleurer. Mais elles sont toutes en train de pleurer, il n'y en a plus une qui joue, plus une qui rit. C'est incroyable, il reste 11 secondes, plus 3, et c'est Valérie Nicolas qui va tirer au but, parce qu'elle avait vu que Pallinger n'était plus là. Elles sont championnes du monde, elles sont championnes du monde. Quel bonheur de vous montrer ces images. Elles sont toutes au sol, regardez-les, toutes les Françaises sont au sol. Pour avoir gagné le match avec 6 buts d'avance, 6 minutes trop tôt, les Hongroises ont été battues. Pour avoir gagné un match trop tôt. Ça aussi, il faut l'apprendre, mesdemoiselles, quand vous jouez au handball. Vous gagnerez qu'à la dernière seconde. Il ne faut jamais faire ça devant une Française. Jamais dire que c'est lâché. Jamais les enfoncer au fond du trou. Elles ont toujours au fond de leur cœur, au fond de leur âme, quelque chose qui leur dit que c'est possible. La lumière ne s'éteint jamais. La lumière, elles l'ont rallumée à 10 minutes de la fin de cette période, de cette seconde période maudite. On n'en voyait plus le bout. On ne voyait plus comment elles allaient le faire. Elles l'ont fait par une abnégation défensive, par ce qu'elles savent faire, leur force collective, la défense et le courage. Quel match de l'équipe de France. Maintenant, on va vous laisser savourer ces images, qu'elles sont belles. Olivier Krumholz est presque calme pour la première fois depuis 15 jours. Quel bonheur. Il rit, Olivier, il rit. Il nous apostrophe de loin, il apostrophe son ami Claude Nesta.
on l'a fait, les garçons, c'est comme les filles, c'est la parité dans le handball français. Ah ouais. Et quelle déception aussi pour les Hongroises. Une terrible déception car elles l'ont déjà connu, vous avez raison André, elles l'ont déjà connu au niveau du titre olympique. C'est une deuxième fois difficile à vivre pour elles. Elles avaient maîtrisé tactiquement, physiquement ce match, elles l'ont lâché mentalement. Voilà, elles avaient une médaille d'argent, elles avaient une médaille de bronze, elles ont maintenant une médaille d'or. Les Françaises sont championnes du monde et elles font un beau tour d'honneur. Médecin, on va dire. Oui, un monsieur qui suit une fois de plus tout le temps ses filles, qui s'inquiète toujours de leur forme, de leur état physique. Et le troisième trophée mondial de la Fédération Française de Handball. Vous allez le mettre dans le bureau du président, non? Ah, le bureau du président, il est truffé de trophées. Ça n'empêche pas cet homme d'avoir gardé l'humilité de son sport. C'est pas parce que tu gagnes qu'il faut pas recommencer le lendemain matin à zéro. Voilà, c'est Stéphanie Cano, bien sûr, qui va le recevoir, ce trophée. Voilà, tout le monde a acheté ses fleurs, elle n'a pas acheté le trophée. Hein. Rassurez-vous. Elles ont des sourires, elles ont fini le match en larmes et je pense que pour certaines d'entre elles, dans quelques instants, en écoutant cela, elles vont avoir des larmes à l'œil.